Salut. C'est bon. On va faire un retour de course. Évidemment, s'il est là, c'est forcément un retour de course. Sinon, il n'est pas là. Non, sinon, c'est un départ de course. Alors, il y a beaucoup de malbouffe, hein, mais on a les filles pour la semaine, donc on leur a pris des trucs, des choses qui leur font plaisir. Donc, des crêpes. Jambon fromage, bah oui, c'est congelé, donc c'est forcément à mettre. Attends, parce qu'il y a d'autres plats avant. Attends. Le monsieur a du mal à m'entendre des fois quand je lui parle. Attends. Des lasagnes à la bolognaise. Voilà. Je vais te faire une tête pareille, je fais peur. C'est vrai. Du beurre en promo, vous vous doutez bien, un acheté, le deuxième à moins 68. Tu peux en congeler un paquet de deux et voilà. Bah oui. Hein. Du carpaccio. Tiens. Au frigo. Carpaccio. Je pense qu'il me manque quelque chose. J'ai pas les frites. Donc un carpaccio sans frites, ça va être mieux. Du gruyère. Tiens, tu donnes à papa. Ensuite, j'ai pris pour moi du Saint-Hubert bio, sans huile de palme et avec des oméga 3. Donc voilà, j'essaye de complémenter tout ce qui me manque dans ma nouvelle alimentation. D'ailleurs, je me suis commandé des protéines végétales parce qu'on m'a posé la question en commentaire comment je remplaçais les protéines vu que je mange plus de viande, et bien en protéines végétales. Voilà, tu as ta réponse. Du fromage blanc 0%. Je te souhaite bien du courage pour ranger tout ça dans le frigo, pardon. Bon, on va tasser. Non, c'est trop lourd. Ensuite, j'ai pris pour ces demoiselles la semaine prochaine des profiteroles. 3 packs, c'était 2 achetés, 1 offert. Comme ça. Vas-y, bah oui, fais-toi plaisir. De la maïzena. Alors, ce qui me fait rire par contre, c'est ça. Voilà, sans gluten, ça me fait délirer. Le maïs, forcément, c'est sans gluten. Donc, la maïzena, c'est forcément sans gluten. Mais non, il se croit obligé de préciser sans gluten pour le phénomène de mode. Tu peux appuyer sur le bip bip bip, s'il te plaît. J'ai déjà fait. Non, t'as pas fait. Bah, si, du sucre en morceaux. C'est ça, pourquoi j'ai pris ça? Porridge. Mais c'était pas supposé être petit comme ça? Ah. Tu veux des ailes? Non, voilà, donc j'ai pris un porridge pour essayer. Cacao cru et graines, sans gluten. Donc je préfère goûter à Aria. Oh. Ensuite, des gâteaux. C'est quoi que tu manges? J'ai pris du bicarbonate de soude alimentaire pour faire des gâteaux. Ça remplace la levure, bien sûr. Et au moins, c'est sans gluten. Bien que j'ai pris aussi de la levure sans gluten au magasin bio. Mais au moins, là, je suis tranquille pour un petit moment. Ensuite, du chocolat pâtissier. Du concentré de la tomate. Encore du... j'ai dû merder quelque part. Encore du gruyère. On a 4 paquets de gruyère. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Ah ouais. De la truite fumée, parce que... C'est surtout que c'est pas les mêmes, quoi. Ah ouais. La truite fumée est meilleure pour la santé que le saumon fumé, puisque moins gras. Et au niveau des glucides, c'est meilleur que le saumon. Voilà. Abrégeons, je vous parlerai tout ça dans la vidéo du challenge, 4 semaines. Des raviolis frais, parce que, alors il faut savoir une chose, c'est que Romane et Seb adorent les raviolis, mais j'en ai ras le bol de les voir manger des raviolis en boîte. Donc je leur ai pris des raviolis à la viande et je vais faire une sauce tomate maison, ça sera un petit peu plus sain que les raviolis en boîte. Ouais, tu peux, s'il y a de la place. Non, parce que vu ce qui arrive là, t'auras pas de place. Non. C'est pas bon.
Bah, frigo, je veux bien, mon amour, mais... Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. Avec tout ce que t'as cuisiné ce matin... Il n'y a pas le choix. Des croques émentales. Mais il va falloir trouver de la place. Non, 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 ça suffit, Aria. Bah non, mais là, c'est tout en vrac. Il n'y a que des bouteilles dans ce frigo. J'ai pris des cordons bleus comme ça parce que les filles adorent ça, bien évidemment. Moi, c'est... ça me dégoûte. Ça, ça va au congèle. Des blancs de poulet que je vais devoir séparer pour pouvoir les congeler aussi. C'est tout, il n'y a plus rien après, amour. Le reste, c'est du sec. J'ai pris une bouteille d'eau de Javel pour mettre dans les toilettes. Aria, pousse-toi! Ça, tu m'as dit quoi? Non, parce qu'il y a... Enfin, si tu peux, oui. Mais ça m'étonnerait. J'ai pris des briques de soja cuisine, puisque maintenant, pour Aria, je voudrais, comme moi, lui mettre de la sauce soja au lieu de lui mettre... Enfin, de la crème de soja au lieu de lui mettre de la crème fraîche normale. Donne-moi ça, Aria, ça va pas au frigo. Tiens, donne ça, papa, ça va au frigo. Voilà. Des citrons qui sont ridicules par rapport aux citrons bio. Je tenais à préciser. J'ai repris ces cracottes-là, je les ai adorées. Non, ça va dans le placard, ça va pas au frigo. Je les ai adorées, c'est sans gluten. Aria, elle aime bien aussi. Je mets des. Je fais mes avocats de toast avec et du houmous aussi. J'adore. Donc voilà, j'en ai repris. Ensuite, de la chapelure sans gluten, n'est-ce pas? Du riz basmati. Et ça, c'est toujours bien d'en avoir d'avance. Sachant que Jonah est une grande consommatrice de riz. Et des coquillettes sans gluten, puisqu'Aria n'en avait plus du tout. Et vu que maintenant j'en mange aussi, il en faut plus. Et ensuite, j'ai repris des pois chiches. Ça, j'en achète en permanence maintenant, puisque je fais le houmous avec... Et c'est une bonne source de protéines végétales, donc je m'en sers beaucoup dans mon alimentation pour combler le manque de protéines animales. Voilà, voilà, c'est tout pour le moment. Donc là, Seb est en train de se battre avec le frigo, pousse-toi de là. Voilà, je vous montre un petit spoil des recettes que vous allez voir la semaine prochaine sur ma chaîne secondaire. Il y a aussi ça. Ah ! Voilà, donc des energy balls et des pancakes à la farine de châtaigne et poudre de noisette. Donc si les recettes vous intéressent, rejoignez-moi sur la chaîne secondaire. Par la semaine prochaine, vous verrez ça dans la semaine, enfin pour le début du challenge bien-être, 4 semaines à partir du 1er mars. Quoi. Non, voilà, voilà. S'il n'y a pas la place pour l'assiette, je peux les mettre dans un tupperware au pire. C'est bon, j'ai fait deux. Ok, parfait. Du coup voilà, c'est tout pour le moment, donc on va vous laisser là, on va vous faire des gros bisous, j'ai pris aussi un pack de lait. Et bah, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo, là Seb va partir amener Aria chez le médecin et moi je vais tourner des vidéos pour changer. Voilà voilà, je la vois qui... Hein bonjour. Tu veux dire bonjour? Bonjour les gens. Maman dit le médecin. Oui, tu vas voir le médecin. Et papa, il est ravi d'aller voir le médecin. Voilà, ça fait 3 jours qu'elle dort pas, qu'elle se réveille en disant qu'elle a mal à l'oreille. Donc là, ça y est, elle va aller voir le médecin, on sera fixé si elle a quelque chose ou pas. Bon, là, tu fais du cinéma. Non, là, tu fais du cirque. Tu te fais plaindre. Bref, voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous. Tu fais le clin d'œil, Aria? Fais le clin d'œil. Fais le clin d'œil.